Par qui je commence, grogna le loup. On dit souvent honneur aux filles. Si je peux me permettre, monsieur le grand méchant loup, répondit Jules, mon ami a certainement meilleur goût qu'un pauvre petit cochon qui pue. Et on dit bien qu'il faut garder le meilleur pour la fin. Tu as raison, mon garçon, dit le loup en rigolant. Alors viens avec moi. Certainement, on est numéro 5. Okay. Le loup changea de couleur. Il laissa tomber son énorme couteau par terre. Alors Jules mit le doigt dans son autre narine, en retira une autre énorme crotte de nez encore plus gluante et il la mâchouilla avec délectation. Ah! Le loup! Qu'il avait mis sur ses épaules et au bout de laquelle il suspendait.
descendait d'une grande cruche qui armait son barda tous les matins, tous les soirs. Il descendait à la rivière parce que la rivière était tout en bas du village. Alors il descendait à la rivière avec ses deux lourdes cruches et il allait remplir ses deux cruches à la rivière. Alors il enlevait de sur ses épaules sa longue perche. Il rentrait dans la rivière. Il remettait avec eux. Aujourd'hui, mon amour. Il y a une glace. Vous avez vu une glace hier? Il y a de la glace pour patiner? C'est limite. C'est limite? On va aller voir. Je vais aller voir. S'il y en a une, je vais t'apprendre à patiner. Tu peux compter sur grand-maman. Hein? Oui. Mon amour. Mathéo, mon amour, tu joues à quoi? Oh, mais est-ce que c'est le fun? Francis, tu joues à quoi? Hein? Maman.
Est-ce que c'est beau? Est-ce que vous croyez que les lutins et que les gnomes viennent boire ici la nuit?
Hey, wow! Il y a comme des rayons de lumière sur vous, on dirait des anges, sauf les trois ados.